Alors aujourd'hui, comme promis, je reviens avec une vidéo annonce importante pour ma chaîne. Je vous en ai parlé donc dans la vidéo tirage au sort. Je suppose que la plupart des personnes n'ont pas été voir cette vidéo, donc vous n'étiez pas au courant que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Mais pour les personnes qui ont été voir cette vidéo, vous êtes au courant. Alors cette vidéo risque d'être un peu brouillon. Je risque de passer du coq à l'ail. Je dis coq à l'ail parce que je ne sais plus dire du coq à l'âne à cause de Maggie qui dit du coq à l'ail. Je vous promets, ça sort tout seul, coq à l'ail, grâce à Maggie. Merci Maggie. Bref, donc cette vidéo risque d'être un peu brouillon. Je sais plus ou moins ce que je veux vous dire, mais il n'y a aucune structure. En même temps, c'est moi, je ne ferai jamais, je pense, jamais de vidéo très très structurée. Là, je comptais filmer correctement avec mon trépied, machin, naninaner, mais mon stabilisateur est déchargé. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vous pose sur la table et je vous parle comme ça, par terre, devant mon canapé, sur ma table basse. Tout va bien. Voilà, donc, bref. Alors, l'annonce en question est que j'arrête cette chaîne-ci. Voilà. Je veux totalement tourner la page pour plusieurs raisons. Tout simplement, la première, c'est tourner la page, tout simplement, avec mon passé. Et ensuite, alors, c'est de ma faute, je sais, mais je me suis toujours dit que à partir du moment où le ratio vues abonnés atteindrait des chiffres ridicules, c'est-à-dire ici, j'ai 6000 abonnés, mais 200-300 vues par vidéo, je me suis toujours dit que quand j'arriverai à ce stade-là, j'arrêterai ma chaîne. Alors oui, je vais arrêter ma chaîne, mais je n'ai pas envie d'arrêter YouTube. C'est vrai que ici, depuis quelques mois, je dis que je vais faire des vidéos et je ne les fais pas. C'est en grande partie à cause de ça. Je suis complètement démotivée sur cette chaîne par rapport au ratio abonnés-vues. Donc j'ai envie de repartir de zéro. Vous allez vous dire, de zéro, mais t'es folle, tu vas plus avoir beaucoup d'abonnés. Franchement, je préfère me retrouver avec une petite communauté de qualité. Voilà, ceux qui viennent voir mes vidéos, les 300 personnes qui viennent voir mes vidéos, c'est de la qualité. Mais il y a toujours ce petit truc qui me perturbe, ce 6000 abonnés. Et à un moment, je me suis dit, mais t'as qu'à cacher tes abonnés. Et c'est pas une gêne par rapport à vous. J'ai pas peur que vous vous disiez, c'est ridicule, elle a 300 vues par rapport à 6000 abonnés. C'est pas par rapport à vous, parce que moi, si je les cache, je continue à savoir que j'ai 6000 abonnés. Et donc, c'est à moi que ça gêne. Et du coup, je veux repartir de zéro. Alors, repartir de zéro, ça veut dire zéro abonné, zéro vidéo, zéro, zéro tout. Plus de monétisation, tant pis. Alors, je serai peut-être remonétisée à un moment donné. Tant mieux, parce que c'est quand même pas négligeable de recevoir un peu de sous-sous de YouTube quand tu fais des vidéos en plus de ça, quelque chose qui te plaît. Enfin, c'est toujours plaisant d'avoir une petite somme comme ça qui arrive quand tu fais quelque chose qui te plaît. Et ben voilà, c'est pas grave. Alors, il y a donc pour cette raison-ci, donc c'est vraiment une des plus grosses raisons, donc ratio abonnés vus. Alors, franchement, j'ai la meilleure période. Sur cette chaîne-ci, c'était aux 3333 abonnés. Parce que là, le ratio était correct. Je veux dire, j'avais 3000 abonnés, mais j'avais 1200, 1000 ou 2000 vues par vidéo. Et ça, c'était beaucoup mieux. Je me sentais vraiment bien à cette époque-là. Puis, ben, voilà quoi. Après, il y a eu le déménagement, j'avais plus de scrap room. Il y a eu donc une grosse pause sur ma chaîne. Donc, j'ai perdu de la communauté. Je suis revenue, j'ai bien senti que vous n'étiez plus là. Faute aussi à YouTube, c'est pas qu'à votre, qu'à, enfin, c'est pas que, qu'à cause de vous. Puis, ben, il y a aussi le fait que je voulais revenir aussi, mais pour partager plus, pour revenir en vlog et compagnie. Mais je vois bien que sur ma communauté, c'est pas trop accepté. C'est quand je faisais des vlogs, j'avais très peu de vues. Donc j'ai envie de recommencer tout à zéro pour un meilleur départ, peut-être, j'espère.
En même temps, si je n'ai que 200 abonnés et 150 vues, moi je serais tout à fait satisfaite parce que ben voilà, ce sera déjà un ratio beaucoup plus équitable et je me sentirais moins j'ai pas... ridicule. Maintenant, c'est mon avis, je veux dire, les chaînes qui ont cette différence de ratio qui se sentent bien, je veux dire, tant mieux. Je veux dire, mais moi, je non, non. Je préfère repartir de zéro, me retrouver par là pour essayer de remonter. Alors, je vous promets pas que là, je vais faire 3 vidéos par semaine et tout. C'est sûr que je vais essayer d'être plus régulière sur ma nouvelle chaîne. Voilà, donc comme ça, vous savez, je vais faire une nouvelle chaîne que vous allez pouvoir voir là tout de suite. Et il y aura déjà une vidéo présentation dessus ainsi qu'un vlog. Mais voilà, vous allez pouvoir venir vous abonner si vous le voulez sur cette chaîne. Alors je préviens tout de suite, je ne suis pas que scrap. Donc sur cette nouvelle chaîne, je ne parlerai plus que... ce ne sera plus une chaîne exclusive scrap. Parce que je ne suis pas que scrap, j'ai envie de parler de tout et de rien. Alors j'ai toujours eu cette envie d'apprendre, de découvrir plein de choses, de parler, de partager mes pensées avec vous. Mais là encore plus. Et donc j'ai décidé que cette nouvelle chaîne allait être dédiée à tout et n'importe quoi. Voilà, je continuerai à vous parler de scrap, je ferai des vlogs, je vous parlerai de mes chèvres, pourquoi pas. Je regarde par là parce qu'il y a le jardin par là. Je vous parlerai de mes chèvres, je vous parlerai de tout, n'importe quoi, de mes pensées, de développement personnel, de lifestyle, de mode aussi. Il y a, enfin voilà, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à tout ça. Quand j'ai un truc qui me vient, comme une envie de pisser, ben je viens de vous parler, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous parler de tout et de rien. Si vous êtes un peu réticente aux chaînes qui sont autant diversifiées, moi je dis que c'est bête parce qu'il y a les titres. Voilà, quand vous voulez pas voir une vidéo, ben vous ne cliquez pas dessus. Maintenant, voilà, je préfère que vous ne vous abonniez pas si vous détestez les chaînes où on parle de trop de sujets, où on parle de trop de sujets diversifiés. Je préfère que vous n'ayez pas vous abonner. Voilà. Et merci donc à toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Voilà, donc sur la nouvelle chaîne, ce sera tout et rien. Vlog, pas vlog, des face cam. Si un jour j'ai envie de vous parler de cuisine, je vous parlerai de cuisine. Ici, de couture, de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi. Alors il y aura encore du scrap, ne vous inquiétez pas. Plus autant de vidéos que sur cette chaîne-ci, ça c'est sûr. Ce sera peut-être une vidéo sur 10 de ce qui parlera de scrap. Je n'en sais rien. J'irai au gré de mes envies, au gré de mes humeurs. Parce que ça aussi, ça fait beaucoup. Ici, par exemple, en hiver, j'ai beaucoup scrappé sans filmer, parce que j'avais pas envie de filmer, tout simplement. Et donc, enfin, j'avais pas envie de filmer, mais parce que j'avais déjà cette démotivation par rapport au ratio vue-abonné, qui me perturbe pas mal. Alors, je suis assise par terre, je vieillis, j'ai mal aux jambes. La vieille jeune. Non, mais voilà, je vais vraiment vous parler de tout, de poids aussi, parce que ici je suis en. On va. Et encore, non. J'allais dire, on va appeler un chat, je vais vous dire que je fais régime, mais c'est même pas ça, et c'est même pas un rééquilibrage alimentaire, c'est. J'essaie de faire attention tout simplement, de moins grignoter et compagnie. On pourra parler de ça. Je vous dirai mon poids, même si vous voulez. J'ai aucun souci avec ça. Aucun souci avec mon corps qui est en forme et en chair. Franchement, ben c'est juste au niveau santé que ça me fait peur. J'ai envie de maigrir un peu parce que, voilà quoi, avec les années qui passent, hein, je suis encore jeune, mais le temps passe tellement vite. J'ai pas envie de prendre encore 10 kilos de plus et après plus savoir maigrir et attraper des problèmes. Problème de santé. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, donc si vous êtes prête à me suivre dans ma nouvelle aventure, je ne sais même pas comment dire, la nouvelle aventure diverse, venez me rejoindre sur ma chaîne Entremêle et vous. Voilà, donc ma nouvelle chaîne va s'appeler Entremêle et vous. Alors j'avais plusieurs idées de nom de chaîne. Et c'est Anthony, donc mon compagnon, qui a trouvé ce nom-là. C'est parfait, c'est ça que je veux. Entremêlez-vous.
Ça a plusieurs significations, donc entre mêle et vous, donc entre moi et vous. Entre mêle et vous, donc on partage tous ensemble. J'aimerais beaucoup qu'il y ait de la communication dans les commentaires, même entre vous. Ce serait vraiment génial. Vous savez que j'ai toujours tenu aux commentaires, que ce soit avis négatif et positif, tant qu'il y a du respect. Je pense, dans un premier temps, je verrai comment ça se passe, hein, mais mettre vos commentaires à approbation, comme ça, il n'y a pas de souci de... J'ai jamais vraiment eu de souci, mais je me dis comme là, je vais plus partager ma vie privée et compagnie, peut-être que... Je sais pas, pour être prudente, je vais mettre les commentaires au départ à approbation. Voilà, pas contre vous, hein, on ne sait jamais un petit merdeux qui arrive et j'ai pas envie que vous commenciez à lire des conneries. T'as un gros nez. Par exemple, sur mon ancienne chaîne, j'avais lu t'as un gros nez. Quel intérêt, franchement. Maintenant, si vous faites une critique constructive, il sera bien évidemment accepté. Je répondrai également à tous les commentaires. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Voilà, donc j'espère que vous serez malgré tout nombreux à me rejoindre et à accepter cette nouvelle diversité au niveau de mes vidéos. Les premières vidéos qu'il y aura, ben, ce sera un vlog et une petite vidéo présentation de ma chaîne. Voilà, j'essaie de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Mais voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Pour les personnes qui vont pas me rejoindre, ben, je vous en veux pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous adore. Sans vous, ben, je ne serais pas là. Voilà. Même si j'ai perdu pas mal de ma communauté à cause de mes grosses pauses, à cause des déménagements, à cause de séparation, à cause voilà. Ici, j'aimerais bien partager un peu plus avec vous mon niveau personnel, ma façon de penser. Alors, il faut savoir que j'adore écouter des personnes. J'écoute beaucoup de podcasts, par exemple, et j'adore écouter une personne et qu'elle arrive à me faire dire, ah ouais, trop fort. J'aurais jamais mis les mots aussi bien qu'elle sur ce que je pense. Et donc, pouvoir penser pareil. Ou alors un sujet contraire à moi, écouter la personne. On ne sait jamais, qui sait, il y aurait peut-être un petit truc qui ferait que ça me ferait me remettre en question. Enfin, moi, j'adore tout ça. J'aime beaucoup écouter les personnes. Et apprendre ou me remettre en question tout simplement. Alors d'autres, enfin certaines personnes diront ouais bah, c'est pas avoir de personnalité, pouvoir se remettre autant toujours en question, pas avoir forcément d'idées bien précises et non c'est comme ça et pas autrement. Je suis pas comme ça moi. J'ai mes idées, mais si s'il y a quelque chose qui fait que ça me, enfin s'il y a quelque chose qui dit ah ouais quand même. Ça vaut la peine d'aller creuser, voir ce qui se passe dans cette nouvelle idée et où je la prends, où je la laisse là. Voilà. Donc j'aimerais bien aussi pouvoir actionner ce petit truc chez vous. Pouvoir, enfin, je parle, allez, ça peut être sur n'importe quoi, mais ça peut être même sur un bête truc, genre ça, c'est pas si bien que ça, mais au final, oui, parce que ma nanny est. Et au final, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai que je pourrais peut-être l'utiliser autrement. Enfin, je dis une bêtise, c'est parce que j'ai ça sous la main, que hier soir, je me suis mis de la crème. Mais voilà, enfin bref. Bref, je vous l'avais dit, hein, ça allait partir dans tous les sens. En effet, c'est parti dans tous les sens. J'espère que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, un grand, 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 grand merci à vous. Je vous adore de m'avoir suivi sur cette chaîne, scrap, bonheur partagé, scrap. Merci à vous si vous venez me rejoindre sur ma nouvelle chaîne. Seulement, je tiens vraiment à ça. Ne vous abonnez pas si vous n'êtes pas prête d'avoir du contenu diversifié, s'il vous plaît. Je veux que mon ratio abonnés-vues soit cohérent. Voilà. Je repars de zéro, c'est pas pour rien. Voilà, je préfère avoir 1000 abonnés et 800 vues que 1000 abonnés et 2 vues, pour vous faire court. Voilà. Et comme je ne suis pas que scrap, ben, il y aura de tout. Je me répète, c'est pas grave. Comme ça, je veux être sûre que vous compreniez tout, en fait. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Ça va aller. Bref, je commence à être sombre, là.
Bref, je crois que vous voyez ici le mur. Hier, on n'est pas du tout dans le sujet, hein, mais bon, c'est pas grave. Hier, ce mur a été plafonné, donc vous voyez peut-être des taches sur le mur. Là derrière le mur, ici, il a été plafonné bien avant, mais on ne pouvait pas encore le peindre. Et il va pas être peint tout de suite, du coup, que celui-là a été fait, il va falloir aussi attendre. Donc voilà, tout sera fait d'une pierre du coup. Bref, pas bref, bref. Voilà, donc j'espère que cette chaîne vous aura plu, que la nouvelle vous plaira. Pour les personnes qui aiment le scrap, et oui, ça aussi je voulais dire, c'est vrai que je voulais le dire, je dis que je ne suis pas que scrap, et que donc je ne veux plus faire de chaîne exclusivement scrap. Je ne critique en aucun cas les chaînes qui sont que de scrap. Moi, c'est parce que j'ai envie de partager plus. Avant, ben non, j'avais envie de partager que du scrap et puis c'est tout. Maintenant, ben mes idées changent, mes envies changent. Voilà, on change tous. Et donc, voilà, je fais ça parce que j'ai envie de changement. J'ai envie de vous partager plus que du scrap. Et voilà, je continue à suivre des chaînes exclusivement scrap. Je ne critique pas des chaînes, évidemment, qui ne font que du scrap. Hein. Je les adore, d'ailleurs. Je pense à plusieurs, hein, Bouchka, Maggie, et plein d'autres. Voilà. Christelle aussi. Enfin, voilà, mais moi, j'ai besoin d'ouvrir mes portes et de vous parler de tout et de rien. Et pas me bloquer dans un sujet. Ici, par exemple, j'ai. Voilà, ça fait 17 minutes que je parle. C'est comme si je faisais un blog, déjà un vlog avec vous, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'était mon anniversaire samedi. Ma belle-mère m'a offert une. Oups! Vous fait bouger. Ma belle-mère m'a offert une machine à coudre. Donc, c'était sa machine à coudre, elle me l'a offerte parce qu'elle savait que je voulais apprendre à coudre. Alors, si vous voulez connaître les raisons de pourquoi j'ai envie de commencer à coudre, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne. Vraiment, la fille qui racole, alors que je ne racole que les personnes qui sont sûres de vouloir voir plein de contenu. Voilà. Bref, ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Oh, je suis vraiment excitée en fait d'avoir fait ma nouvelle chaîne. C'est un nouveau départ. C'est comme avoir, enfin, après une séparation que tu recommences tout. Au début, t'as peur, mais au final, tu te sens bien. Et là, c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines que j'y songe. Au début, je me suis dit. Cache tes abonnés, voilà comme ça. Hein. Après, je me suis dit, ça sert à rien. Moi, je sais que j'ai 6000 abonnés et 300 vues. Donc, non. Après, je me suis dit, faire une nouvelle chaîne, oh, non, quand même pas. Faut pas déconner, il y a personne qui va te suivre. Après, pourquoi bon, je me ferai une nouvelle communauté si les personnes ne me suivent plus. J'espère vraiment que vous allez quand même me suivre. Voilà, je le dis quand même. Parce que vous êtes génial. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à accepter une chaîne diversifiée, ben, je vous adore quand même et ça a été une belle aventure avec vous. Bref, je vais arrêter là cette vidéo. C'était donc la toute dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vais laisser toutes les vidéos en ligne. Comme ça, si vous voulez aller voir d'autres contenus anciens, ben, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, je vous dis. À la prochaine sur mon autre chaîne si vous me rejoignez. Si pas, ben, c'était une belle aventure. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis au revoir.